Voudriez-vous être comme Élie, le prophète? Vous savez, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous montrer que si vous vouliez être comme lui, Jésus vous reprendrait. Il y a une différence dans la façon que Dieu a de traiter les gens aujourd'hui, et cela va vous aider. Restez donc à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission sur la vérité de l'Évangile. Une fois encore, laissez-moi souhaiter la bienvenue à ceux d'entre vous qui sont de nouveaux auditeurs. Nous venons juste d'ajouter Cassie à Los Angeles, 16 millions d'auditeurs sur cette fréquence, Winston-Salem en Caroline du Nord, High Point, Harrisburg, York, en Pennsylvanie. Beaucoup de nouvelles stations qui viennent se rajouter et je suis enthousiasmé de partager avec vous cette nouvelle presque trop bonne pour être vraie, qui ne dépend pas de ce que vous méritez. Il ne s'agit pas pour vous de recevoir par rapport à votre mérite. Vous recevez ce que Jésus mérite si vous mettez en votre foi en Jésus en tant que votre sauveur. Et la partie dominante du message que je prêche est l'amour et l'acceptation inconditionnelle du Seigneur envers nous. Et cela dépend complètement de ce que Jésus a fait pour nous. Donc je parle beaucoup de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Vous savez, probablement la plus grosse opposition à ce message que je reçois vient des gens qui ont été baignés dans la religion pour la bonne raison que la religion enseigne principalement que notre relation avec Dieu est basée premièrement sur notre performance. Quand vous faites bien, Dieu vous traite bien. Quand vous faites mal, Dieu est en colère contre vous. Dieu est susceptible de vous juger, d'envoyer la maladie dans votre corps, de provoquer un ouragan, un tsunami, un tremblement de terre, de juger la nation, la colère de Dieu. La plupart des gens pensent qu'ils sont entre les mains d'un Dieu en colère. Mais ce n'est pas exact. Savez-vous qu'une partie de cette inexactitude vient des Écritures? Lorsque je dis cela, je sais que certaines personnes pensent que je suis en train de dire que je ne crois pas que les Écritures sont infaillibles et qu'ils sont vraiment la parole de Dieu. Non, ce n'est pas du tout ça. Je crois la parole de Dieu. La Bible est 100% exacte. Mais il y a une différence entre la façon dont Dieu traite les gens dans l'Ancienne Alliance et la façon dont il les traite aujourd'hui. Et toute la différence tient à Jésus. Jésus est venu, il a pris notre punition et la colère de Dieu, et il a satisfait la colère de Dieu. De telle façon que si aujourd'hui des personnes meurent et vont en enfer, ce n'est pas parce que Dieu est en colère après elles à cause de leur péché. Leur péché a déjà été payé. 1 Jean chapitre 2 verset 2 dit que Jésus est la propitiation, ce qui veut dire la sacrifice d'expiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Jésus est mort pour les péchés du monde entier, tous les péchés, passés, présents et même les péchés futurs, ont été expiés. Ce ne sont pas nos péchés individuels qui offensent Dieu. Dieu s'est occupé de tout péché. La seule question maintenant est que si nous acceptons Jésus comme notre sauveur, si des personnes vont en enfer, elles vont en enfer parce qu'elles ont rejeté le paiement de leur péché, ce qui est Jésus, et non à cause de leur péché individuel. C'est une différence majeure, une différence majeure. Dieu ne nous traite pas selon nos performances, selon nos actes. Tout est basé sur le choix que vous avez fait de faire de Jésus votre Seigneur. Si vous avez fait de Jésus votre Sauveur et de tout votre cœur, si vous l'avez confessé comme votre Seigneur personnel et que votre foi est vraiment en lui, alors Dieu vous aime complètement, d'une façon qui n'a aucun rapport avec votre mérite. Il vous aime parce que vous avez accepté son Fils. Si vous n'avez pas accepté son Fils, Dieu vous aime et a payé pour tous vos péchés à travers son Fils. Il vous offre sa miséricorde, mais si vous mouriez sans avoir accepté Jésus comme votre Seigneur personnel, vous seriez confronté à la colère de Dieu, non pas à cause de vos péchés individuels, parce qu'ils ont été payés, mais vous seriez confronté à la colère de Dieu pour avoir rejeté un si grand sacrifice, celui de Dieu envoyant son Fils pour payer pour vos péchés et vous rejetant simplement ce sacrifice en pensant « Non, je vais croire que Dieu va m'accepter » parce que je suis une personne relativement bonne. Je peux vous assurer que cela tirera la colère de Dieu. Le fait que vous pensiez que son Fils et le sacrifice de son Fils ne sont pas importants. Tout dépend de cela. Laissez-moi vous donner un exemple dans ce dont je parle. Voici, je pense, un exemple scripturaire qui vous aidera à vous montrer ce que je veux dire.
Voici dans Luc chapitre 9, il est dit au verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, cela parle de Jésus qui devait être crucifié, puis qui devait ressusciter avant de retourner vers son Père. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. Ceci parle des Samaritains, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ceci, laissez-moi vous montrer le contexte ici. La nation d'Israël était divisée en deux royaumes. Il y avait les 10 tribus du nord qui étaient appelées Israël et les 2 tribus du sud qui étaient appelées Juda. Et les 2 tribus du sud, dans leur ensemble, servaient et étaient plus proches de Dieu dans l'Alliance qu'elles avaient en lui que les tribus du nord. À cause de cela, les tribus du nord avaient été jugées et emmenées en captivité. Et le roi d'Assyrie avait littéralement installé des colons. Il avait remis des colons assyriens parmi les 10 tribus du nord et il avait colonisé cette région. Et donc les Juifs qui étaient restés là avaient commencé à se marier avec ces colons qui étaient revenus, ce qui, selon la religion juive, était absolument interdit. Et donc les Juifs stricts qui étaient à Jérusalem et le reste de la nation d'Israël, à l'époque de cette histoire, les méprisaient et les rejetaient. Il existait un racisme contre les Samaritains, ce n'était pas que racial. Mais les Samaritains avaient aussi, du fait qu'ils s'étaient mariés avec ces colons assyriens qui étaient venus habiter là, ils avaient perverti la vraie adoration de Dieu. Et à cause de la haine entre les Juifs et les Samaritains, ils ne descendaient pas à Jérusalem pour adorer Dieu de la bonne façon, dans le temple, comme Dieu leur avait prescrit. Ils avaient bâti leur propre temple en Samarie, et ils avaient leur propre façon d'adorer Dieu. Cependant, ils proclamaient encore qu'ils adoraient le Dieu d'Israël, mais c'était de façon pervertie. Il y avait tous ces rituels assyriens, inclus en plus. Les Samaritains étaient donc une race impure et ils avaient aussi un système religieux perverti. Et à cause de cela, il y avait un énorme rejet des Samaritains par les Juifs. Il y a des exemples de cela dans Jean chapitre 4, où Jésus s'occupe de la femme samaritaine. Et celle-ci était choquée qu'un Juif ose même lui parler. Il y a aussi cet exemple du bon Samaritain qui a aidé un homme qui avait été battu par des voleurs. Et Jésus montrait que même ce Samaritain que les Juifs détestaient, en pensant qu'aucun Samaritain ne pourrait jamais avoir de relation avec Dieu, que ce Samaritain était plus proche de Dieu que tous ces Juifs saints l'étaient. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un thème constant à travers la Bible, si vous n'êtes pas familier avec cela. Mais à cause de cette haine religieuse et raciale, les deux plus forts racismes que nous connaissons aujourd'hui, à cause de cela, un juif strict, vous savez, si vous veniez du nord d'Israël pour vous rendre à Jérusalem, il faisait littéralement un détour qui augmentait le voyage d'un ou deux jours pour éviter de passer en Samarie parce que la Samarie se trouvait juste au centre de la nation d'Israël. Donc, à cause de cela, les gens faisaient un détour. C'était inhabituel pour des gens de passer directement par la Samarie. C'est ce que Jésus était en train de faire. Il est aussi important de reconnaître cela dans le 4e chapitre du livre de Jean. Jésus avait déjà parlé aux Samaritains, à cette femme qui se trouvait au puits, et il est écrit que toute la ville de Samarie avait reçu Jésus comme sauveur. Maintenant, je ne sais pas si cela veut dire chaque personne, mais certainement qu'une majorité de ces gens avaient déjà rencontré Jésus. Il l'avait reconnu comme étant le Messie. Il était prêt à l'adorer. Quand il est venu vers eux, il leur a parlé strictement des choses de Dieu. Mais il est dit ici dans Luc chapitre 9 et verset 53, il est dit, « Mais on ne le reçut pas parce que voici la raison, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » Cela veut dire qu'à cause de son association avec les Juifs religieux de Jérusalem, ils ont rejeté Jésus. Ils ne voulaient même pas lui donner un endroit pour s'arrêter. Ils n'auraient même pas laissé une chambre d'hôtel. Ils ne lui permirent même pas d'entrer dans leur ville parce qu'ils allaient rencontrer ces Juifs religieux qu'ils détestaient. Maintenant, rappelez-vous que ces gens avaient déjà été convaincus que Jésus était le Messie. Le chapitre 4 du livre de Jean, ils l'avaient accepté comme sauveur. Ce n'était pas
parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils savaient qui il était, mais à cause de cette association avec leurs ennemis, c'était un affront total, un rejet de Jésus. C'était une critique très dure envers lui à cause de son association avec les Juifs religieux. Vous avez besoin de connaître tout ce contexte pour saisir le plein impact de ce qui s'est passé. Voici ici ce que les disciples de Jésus voulaient faire quand ils ont vu cela. Au verset 54, il est dit, « Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ceci est un fait étonnant. Jésus avait été persécuté. Il avait été rejeté. Cela était une critique majeure de Jésus et deux de ses disciples, Jacques et Jean, voulaient appeler le feu du ciel pour qu'il descende et tue tous ses pécheurs. Ils étaient appelés les fils du tonnerre. Je me demande pourquoi ils étaient appelés comme cela. Apparemment, ils étaient assez colériques. Et en fait, ce qui avait été fait à Jésus était mal et ils ont juste pensé qu'il serait juste d'appeler le jugement de Dieu sur eux. Et ils voulaient faire ce qu'Élie, le prophète de l'Ancien Testament, a fait dans 2 Rois chapitre 1, quand il a fait descendre le feu du ciel et a tué 102 personnes qui étaient venues pour le persécuter. Et ils voulaient libérer la colère de Dieu sur ses pécheurs et les détruire. Mais vous savez ce que Jésus a fait au verset 55? Il est dit, Jésus se tourna vers eux et il les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Jésus reprit ses disciples parce qu'il voulait faire ce qui avait été fait dans l'Ancien Testament. Et vous savez ce que cela veut dire? Il y a une différence entre la façon dont Dieu traite le péché dans l'Ancien Testament et la façon dont il traite dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous allons commencer à expliquer. Donc j'ai lu le passage des Écritures dans Luc chapitre 9 où Jésus allait traverser la Samarie. Il a envoyé des gens devant lui pour voir s'il pouvait le loger. Et les gens de Samarie l'ont rejeté à cause de son association avec les Juifs hypocrites. Et à cause de cela, deux des disciples de Jésus, Jacques et Jean, voulaient faire descendre le feu du ciel pour tuer tous ces gens, pour apporter le jugement et la colère de Dieu sur eux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont juste imaginé dans leur propre cœur. Savez-vous d'où ils ont tiré cela? Ils l'ont tiré de la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 1, je ne vais pas prendre le temps de retourner là pour lire tout cela, mais dans 2 Rois, chapitre 1, Élie, le prophète de Dieu, a appelé le feu du ciel et a tué 102 soldats. Maintenant, voici l'histoire dans 2 Rois, chapitre 1, si vous voulez la lire par vous-même. Vous pouvez vérifier tous ces faits, mais il y avait un roi nommé Ahazia, et ce roi s'est blessé. Il est tombé du toit de sa maison, du deuxième étage, et il s'est blessé. Les Écritures ne disent pas ce qu'était le problème, ce devait être une sorte d'infection, quelque chose comme ça, et il n'était pas en forme. Donc, il a envoyé quelques-uns de ses serviteurs à Ekron pour demander au prêtre de Baal s'il allait guérir. Mais rappelez-vous que c'était le roi d'Israël. Ceci était le peuple de Dieu. Et cependant, il avait totalement rejeté le Dieu d'Israël. Et il s'adressait au dieu d'Ekron, nommé Baal, pour savoir s'il allait guérir. Je veux dire que c'était un rejet total de Dieu. Alors que ses messagers étaient se rendus à Ekron, Dieu dit à Élie, le prophète, ce qui se passait. Il intercepta les messagers et leur dit de retourner vers le roi pour lui dire qu'il aurait pu guérir, mais que parce qu'il s'était adressé à un dieu païen, au lieu de s'adresser au dieu d'Israël. Mais pour cette raison, il allait mourir et qu'il ne sortirait jamais du lit sur lequel il était maintenant couché. Donc les messagers rebroussèrent le chemin et Ahazia réalisa qu'ils n'avaient pas pu avoir le temps de se rendre à Ekron, et donc il leur demanda, « Pourquoi êtes-vous revenu ?» Et les messagers dirent, « Eh bien, il y a un homme qui est venu vers nous et qui a dit, « Ainsi dit le Seigneur, et ils donnèrent le message qu'Ahazia allait mourir. » Et quand Ahazia entendit cela, il dit, « Quelle sorte d'homme était-ce » Et ils dirent, « C'était un homme velu, et il portait une ceinture de cuir. » Immédiatement, il dit que c'était Élie de Tikbé. Apparemment, Élie était très connu pour la matière dont il était habillé et pour le nombre de poils qu'il avait. Nous ne savons pas s'il s'agit de poils sur le corps ou d'une barbe. Certaines personnes pensent qu'il avait simplement une super longue barbe.
Mais quoi qu'il en soit, Ahazia reconnut immédiatement qu'il s'agissait d'Élie le prophète. Et une fois encore, pour comprendre le plein impact de l'histoire, vous devez connaître l'histoire. Parce que Ahazia était le fils d'Akab, le précédent roi d'Israël. Et qu'Akab et sa femme, Jézabel, s'étaient totalement livrés au diable. Et ils avaient servi le diable dans tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté toute moralité, et il a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais une des mauvaises choses qu'il fit était ceci. Il y avait une vigne qui était très proche de son palais. Et du palais, il voyait cette vigne, il la convoitait et il la voulait. Il descendit et parla au propriétaire qui s'appelait Naboth et dit « Je veux te l'acheter ». Et Naboth dit « Non, c'est mon héritage familial, tu ne l'auras jamais. Peu importe la somme d'argent que tu m'offres. » Le roi Akab est donc reparti et il se mit à pleurer dans sa chambre. Et la reine Jézabel entra et dit « Pourquoi pleures-tu ? N'es-tu pas le roi ? Quel est le problème ?» Et il dit « Naboth ne veut pas me vendre sa vigne. » Et elle fut contrariée et dit « Laisse-moi faire. » Et que fit-elle ? Elle envoya des gens pour le tuer. Et donc, après avoir fait tuer Naboth, Akab prit possession, devint le propriétaire de la vigne de Naboth, et il était en train de parcourir la vigne. Lorsqu'il tourna un coin, d'un seul coup, il tomba sur Élie, le prophète de Dieu. Et il dit, « M'as-tu trouvé, ô mon ennemi ?» Élie dit, « Ce sont tes péchés qui t'ont trouvé. » Il dit, « Parce que tu as fait cela à Naboth, les chiens vont lécher ton sang, exactement à cet endroit. Et les chiens vont manger ta femme, Jézabel. » Et cela est arrivé. Il y eut une bataille, le roi mourut, ils amenèrent son char dans la vigne, exactement à cet endroit-là, et ils commencèrent à nettoyer. Les chiens ont commencé à lécher le sang d'Akab, qui était mort dans le char, et plus tard, après la mort d'Ahazia, Jéhu est arrivé et a pris le royaume, et la reine Jézabel était encore en vie. Il arrive au mur de la ville, il demanda qui était du côté du Seigneur. Certaines personnes regardèrent par la fenêtre, et il dit de jeter cette méchante femme dehors. Ils jetèrent Jézabel qui tomba de 2 ou 3 étages et elle atterrit sur le sol. Et Jéhu passa sur Jézabel avec son char jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle était morte. Puis il rentra, s'assit et mangea. Au milieu du repas, il dit, « Vous savez qu'elle était fille de roi et elle était reine. Nous devrions l'enterrer. » Il envoya ses gens pour l'enterrer, et quand ils arrivèrent, ils ne trouvèrent plus que son crâne, les paumes de ses mains et le dessous de ses pieds. Les chiens avaient mangé le reste de son corps. La parole de Dieu qui avait été prononcée par Élie de Tikbé s'accomplit. Maintenant, c'est Ahazia le roi qui était le fils d'Akab et Jézabel, et il connaissait la prophétie qui s'était accomplie pour son père. Il savait qu'Élie était contre eux, parce qu'il avait abandonné le vrai Dieu. Et c'est probablement pour cette raison qu'il n'était pas allé vers Élie pour savoir s'il guérirait de l'infection qu'il avait. Mais à sa place, il était allé vers le Dieu païen d'un autre pays. Quoi qu'il en soit, il savait exactement qui c'était et il était furieux. Il en voulait à Élie pour ce qui lui était arrivé personnellement. La prophétie qui lui avait été donnée. Mais aussi Élie avait prophétisé la mort de son père et que les chiens lécheraient son sang, ce qui était à cette époque une insulte énorme. Et donc il lui en voulait pour la prophétie personnelle, pour ce qui était arrivé à sa famille, et donc il l'envoya à un soldat avec 50 autres soldats, un capitaine avec 50 personnes sous ses ordres, et ils trouvèrent Élie assis en haut de la colline. Ils dirent, que le roi lui disait de descendre tout de suite, et il dit, « Je suis un vrai homme de Dieu. Que le feu du ciel descende et te réduise en cendres, ainsi que les 50 soldats. » Et instantanément, le feu de Dieu tomba du ciel, et tu as 51 personnes. Bon, Ahazia le roi entendit parler de ce qui s'était passé, et il envoya simplement un autre soldat. Un groupe de soldats, ce capitaine arriva et dit, « Oh, homme de Dieu, le roi a dit, descends tout de suite. » Et Élie a dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende et qu'il te réduise en cendres, toi et tes 50 hommes. » Et il est dit dans 2 Rois, chapitre 1, je crois au verset 12, que le feu de Dieu tomba. Ce n'était pas le feu du diable et ce n'était pas juste Élie qui avait pris cette puissance en lui. C'était le feu de Dieu qui tomba et qui réduit en cendres cet homme et ses 50 soldats. Il y a eu donc 102 soldats tués par le feu de Dieu. Ahazia envoya donc un autre capitaine
Et cet homme vint et dit à Élie, « Oh, toi, homme de Dieu !» Il dit, « Je suis le serviteur de Dieu. Tout ce que je fais, c'est d'obéir au roi. Je suis les ordres. Aie pitié de moi. Ne me tue pas, comme tu as tué les capitaines précédents qui sont venus. » Et donc Élie a prié, et le Seigneur a dit, « Va avec lui, je te protégerai. » Élie descendit, parla à Ahazia, confirma la prophétie. Il se peut qu'Ahazia ait voulu le tuer, mais il ne pouvait pas, et il a laissé partir Élie, et l'affaire était close. C'est à cela que les disciples de Jésus faisaient référence. Ils dirent, « Est-ce que tu veux que nous appelions le feu du ciel comme fit Élie ?» Ils étaient en train d'essayer d'imiter un prophète de l'Ancien Testament. Ils voulaient être comme un prophète de l'Ancien Testament. Et regardez la réaction de Jésus. Il est dit au verset 55, il est dit, « Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Jésus reprit ses disciples parce qu'ils essayaient de faire ce qui était fait par Dieu dans l'Ancien Testament. C'est une pensée radicale. Si vous pouvez lier ces deux choses, vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent la Bible, ne font pas le rapprochement et posent ces questions. Mais maintenant, ce qui est essentiel, les disciples de Jésus voulaient faire ce qu'Élie a fait. Et Jésus les a repris pour avoir voulu faire exactement ce qu'Élie a fait dans l'Ancien Testament. Laissez-moi vous dire cela de cette façon. Si Jésus s'était manifesté dans son corps physique pendant son ministère terrestre, au temps de 2 Rois chapitre 1, où Élie a fait descendre le feu du ciel, savez-vous ce que Jésus aurait repris Élie ? Et ce n'était pas le meilleur de Dieu. Cependant, c'était Dieu. Et il est dit que c'était le feu de Dieu. Mais c'était à une époque où Dieu déversait sa colère sur les gens. Et en avançant dans cette série, je vous expliquerai cela plus en détail, et je vous montrerai pourquoi à cette époque Dieu déversait sa colère. Mais sous la Nouvelle Alliance, la colère de Dieu a été déversée sur Jésus. Et Jésus a porté la colère de Dieu. Et Dieu n'a plus aucune colère en lui contre vous à cause de vos péchés. Cette colère a été placée sur son Fils Jésus. Et nous vivons sous un jour différent, sous une alliance différente, une époque différente. Et si les gens aujourd'hui essayaient de faire se manifester la colère de Dieu de la même façon qu'Élie dans l'Ancien Testament, ils seraient repris par Jésus exactement de la même façon que les disciples lorsqu'ils ont essayé de faire cela. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a une différence entre la façon dont Dieu traiter le péché dans l'Ancien Testament et la façon dont Dieu traite le péché dans le Nouveau Testament. Et il est triste de dire que beaucoup de chrétiens, ou soi-disant chrétiens, n'ont jamais fait la différence. Ils essayent encore aujourd'hui de montrer aux gens que Dieu est le même Dieu qu'au temps de l'Ancien Testament. Bon, c'est vrai que c'est le même, il n'a pas changé, mais sa façon de nous traiter a changé, parce que maintenant, nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons devenir des créatures toutes nouvelles. Maintenant, le Seigneur a des options pour s'occuper de nous qu'il n'avait pas dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus a totalement changé la façon dont Dieu traite les gens. Et si vous ne comprenez pas la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, vous allez vous méprendre sur la vraie nature de Dieu. Cela va vous empêcher de vraiment recevoir l'amour de Dieu. C'est donc de cela que nous sommes en train de parler, et je peux vous dire que je pense que cette série va faire une énorme différence dans votre vie.